Bon bah, on recommence à construire alors. Ça, c'est nos bases depuis des centaines d'années. Peut-être même un peu bien plus. Oh bah non, ça ne marche toujours pas. Bon bah, on recommence alors. Ça marche pas comme ça, hein, ça c'est sûr. Hein. Bon, si ça marche pas avec ces bases-là, bah, faudrait peut-être qu'on réfléchisse à d'autres bases. Si on fait un petit retour en arrière. Nos fondamentaux, notre base, parce qu'en maçonnerie, la base, c'est ce qui touche la terre, donc pour que l'édifice puisse tenir. On a, sous l'Ancien Régime, donc avant la Révolution, 80% du peuple, qui s'appelle le tiers-état, qui est dirigé par les chevaliers, les nobles et le clergé. Le clergé et les nobles. On a vu que ça n'a pas marché. Donc, on a viré le roi. On a mis à la place un empereur ou un président, on a viré les curés et on a mis des actionnaires par exemple. Ce qui a complètement changé, c'est... Bon, en fait, c'est pareil. Il y a toujours le peuple et les quelques pourcentages qui dirigent la population. C'est peut-être pour ça que ça marche pas. Je vais appeler les guides. Allô les guides, ici c'est le peuple. Bon, on est en train de remarquer qu'à chaque fois qu'on met quelque chose en place, depuis des centaines d'années, voire des millénaires, ça se casse la gueule. L'édifice il tient pas, nos fondamentaux, je sais pas ce qu'ils ont. Vous auriez pas un mantra ou peut-être un prophète à nous envoyer, ce serait pas mal pour qu'on puisse évoluer. Merci. Alors, les guides nous ont dit que pour avancer collectivement, il fallait que chacun fasse son chemin intérieur et réfléchir à ce que individuellement on a besoin. Il y a Chalifour, en 1989, qui a classé les besoins individuels dans plusieurs parties. On a les besoins intellectuels, les besoins sociaux, les besoins émotifs, psychologiques et spirituels. Une fois que vous avez réfléchi chacun là-dessus, que vous y répondez et que vous les respectez, on pourra peut-être faire un truc en groupe. Allez. Maintenant que vous avez bien réfléchi sur vos besoins individuels, comme manger, boire, dormir, être en relation, se respecter, écouter ses besoins, alors pourquoi ça marche pas? Si chacun individuellement se respecte et se retourne vers les voies spirituelles, c'est peut-être parce qu'on a laissé notre pouvoir s'envoler, mais vous savez quoi? On peut le retrouver. Ton pouvoir, il est à l'intérieur de toi. Exactement. Si, regarde. Wonder Woman, Wonder Woman. All the world's waiting for you and the power you possess. En respectant vos besoins intérieurs et individuels, le collectif changera ses fondamentaux. Tout est possible. Le pouvoir individuel est en vous. Oui, le petit bilan est plutôt positif. Ils ont construit, déconstruit sur les bases de l'amour. Ouais, du partage, de l'écologie. Youpi, c'est la fête. On se tourne vers l'éveil. Ouais, c'est trop bien. Ouais. À propos de besoins émotionnels, je voudrais savoir si mon karma est compatible avec celui de Brad Pitt. Votre karma est compatible à 95% avec Edouard Philippe.
Oh, je vais me centrer sur les besoins spirituels. Allez, bisous.